Maël et Soso. Bonjour, c'est Mangala. Voilà, donc tu as comme passion. D'abord, merci de venir nous rendre d'abord visite. Hein. Ouais. Tu viens de Paris, nous sommes tout à fait à Bruxelles. Tu as comme passion de te faire photographier à côté des stars. Voilà, c'est bien ça, ouais. Voilà, à force de te faire photographier à côté des stars, tu deviens toi-même une star. Tu es vraiment invité dans des plateaux de télévision, dans des stations de radio. Tout à fait. Également, ton histoire est même relatée dans plusieurs journaux en France. Avant peut-être de commencer, on peut peut-être te demander de te présenter à nos téléspectateurs. Comment tu peux te présenter? Je m'appelle Ecclesias Lemba. Oui. Je suis âgé de 18 ans. Je suis un jeune français. Oui. D'origine congolaise, Kinshasa, de par mes parents. J'ai grandi en France, tout ça, mais je viens très souvent en Belgique parce que j'aime bien la culture belge. Vraiment, j'ai commencé cela à partir de l'âge de 16 ans, lorsque j'ai fait mon stage quand j'étais jeune, dans mes études secondaires, l'équivalent du collège en France. J'ai effectué mon stage à France 2. C'est une chaîne très très connue en France. C'est à partir de là que j'ai commencé mon petit hobby de prendre des photos avec des stars. Et cela a vraiment fait une très gros buzz au niveau du net en France. Notamment aussi un peu au Congo, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aller voir ce blog pour voir quelles stars j'ai rencontrées chaque jour et tout auparavant. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, mais comment ça a commencé d'abord? Mais pourquoi est-ce que tu as pris cette passion-là de te prendre le photo avec des stars? Ça commençait comment? Au début, c'était comme un délire en fait. Ça partait comme ça. Je le faisais dans mon temps libre en fait. Je le faisais dans mon temps libre. Et ensuite, après, j'ai pris conscience que cela intéressait beaucoup de gens. Parce qu'il y avait toute communauté qui allait le voir ce blog. Il y avait notamment. Mes anciens professeurs, des grandes personnes, des parents, tout ça, qui allaient voir mon blog, aussi des jeunes, toute communauté qui allait voir mon blog. Parce que les stars que j'ai rencontrées, c'était un peu diversifié, c'est-à-dire que c'était toutes des stars. Des stars du monde politique pour les adultes, des rappeurs pour les jeunes, des sportifs, de tous les domaines, quoi, toutes sortes de stars. De tous les domaines. Puis c'est des stars belges, des stars françaises, des stars américaines, des stars britanniques, anglaises que j'ai rencontrées, quoi. Toutes ces stars, vraiment. Enfin, franchement, parfois, j'arrive pas, quand je vois mon book, tout ça, mon blog, parfois, j'arrive pas à me rendre compte si c'était moi, quoi. Or que vraiment, c'est avec le courage, c'est avec vraiment l'encouragement des gens que j'ai vraiment réussi à. Si vraiment les gens m'avaient jamais dit m'encourager, j'aurais pas réussi à faire tout ce que j'ai fait, quoi. Mais quelle est la première star avec qui tu as pris la photo? La première des stars que j'ai pris, avec qui j'ai pris en photo, c'était en janvier 2008, quand j'étais en formation, en stage à France 2. C'était avec David Pujadas et Élise Ducey. Élise Ducey, c'était avec eux que j'avais pris des photos. Ouais. Ah, tu peux nous citer d'abord quelques noms d'abord des stars avec qui tu as pris? Alors, des stars, Lara Fabian, Will Smith, Ramayad. Enfin, Ramayad, c'est une femme politique très respectée en France. Avec qui il y a encore des grands rappeurs, des rappeurs français, notamment Booba, Rof, aussi des. Comment dirais-je, il y avait aussi. Enfin, j'ai rencontré plus. En tout, j'ai rencontré plus de 300 stars. Plus de 300 stars. Parfois, j'en ai oublié quelques-unes, mais ceux que j'ai rencontrés qui sont vraiment très appréciés, il y a Jean-Pierre Foucault en France, qui présente l'émission Qui veut gagner des millions, Sébastien Coé, des stars aussi de la musique congolaise, notamment comme Félix Oisekwa. Ou encore, comment dirais-je, il y avait aussi personnes très connues des émissions de télé-réalité que j'ai rencontrées aussi, notamment Secret Story, tout ça, que j'ai rencontré aussi, les personnages de cette émission. Et des stars belges aussi? Des stars belges, oui, j'ai rencontré Cécile de France, la crise internationale belge, Cécile de France. Puis j'ai rencontré aussi notamment la chanteuse Lara Fabian, comme je vous avais dit. Et aussi le vainqueur de l'émission Secret Story 2, Mathias Paul. Oui. Mathias Paul, qui habite d'ailleurs à Bruxelles aussi, il habite ici à Bruxelles, pas très loin de Matongé. Mmh. Parce que quand je l'ai vu, il m'a dit qu'il habite, il m'a fait « Ouais, j'habite à Matongé, tout ça, à Bruxelles, je connais bien le Congo, quoi. Mmh. » C'est quand je lui ai dit que c'est d'origine congolaise, il m'a d'ailleurs dit « J'aime bien Kin. Mmh. » Voilà. Mais c'est vrai que ça commençait comme une blague, comme tu viens de le dire. Voilà, comme une blague, ouais. au début, c'était... C'était pour qui, quoi, en fait? Le fait de prendre une photo à côté d'une star, et puis ouais. Après,
Tu dirais ça, quoi finalement? Après, bon, en même temps, c'est une fierté personnelle en fait. C'est une fierté pour le personnel et pour les gens qui me connaissent. Comment dirais-je? Parce que c'était. En fait, c'était comme un délire, comme vous dites. Ça partait comme un délire au début, puis ensuite, vraiment après, plus de. Parce que j'ai m'étais fixé de rencontrer tel nombre de stars. Oui. Et vraiment, j'ai réussi à atteindre cet objectif, quoi. Et comment dirais-je? C'était. Vraiment, j'en suis fier. Parce que c'est une fierté personnelle. Parce que c'est vraiment. Comment dirais-je? C'est une. Une genre de reconnaissance quoi, c'est un objectif que je me suis fixé et un objectif que j'ai atteint. J'avais fixé comme objectif précisément, je l'ai dit aux téléspectateurs qui vont nous suivre, c'est de rencontrer 300 stars minimum. Et j'ai rencontré plus de 300 stars, c'était vraiment l'objectif que je me suis fixé dès le départ de cet hobby, de prendre la photo des stars. Voilà, mais tu peux quand même nous raconter un tout petit peu comment tu faisais pour rencontrer ces stars? C'est passé comment d'abord? Est-ce que tu prenais le rendez-vous? Comment ça s'est passé d'abord? En fait, non, c'était pas par rendez-vous. En fait, c'était justement parce que je me renseignais sur les sites sur internet, sur le net, hein, sur internet. Je me renseignais à l'avance. Telle personne serait invitée sur telle chaîne ou telle station radio, et j'allais à la rencontre de ces personnalités. Oui. J'allais à la rencontre de ces personnalités pour poser avec eux, prendre des photos. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, supposons Yves Leterme, le ministre belge, s'il est invité à tel sur RTL Info à 8h. Demain, par exemple, j'irai à 7h attendre tout ça, le temps qu'il arrive. Et je demanderai à ses gardes du corps qu'ils me prennent une photo avec lui. C'est comme ça que ça s'est passé en général, avec les stars. Je demandais soit à leur attaché de presse, soit à leur garde du corps, ou soit à leur personne qui les accompagne, qui puisse me prendre la photo, quoi. Mais en général, ce sont des gens comme nous, ce sont des gens vraiment très sympas. Plus quand vous leur demandez une photo, ils sont vraiment contents, ils prennent un petit peu parfois la grosse tête et ça leur plaît quoi, de voir des fans, des gens du public leur demander une petite photo ou autographe quoi. Mais il y a des moments où ça ne réussissait pas ou quoi et que ça a raté Bon, il y a des moments où c'était vraiment très dur, hein. Mais j'ai toujours, comme je suis un battant, moi quand je veux quelque chose, je l'obtiens toujours. Donc il y a des moments où c'était très dur. Vraiment, quand j'ai voulu rencontrer par exemple le Premier ministre de France actuel, François Fillon, c'était bon, les gens me disaient t'es fou, ça va être dur, tout ça. Enfin, dans ma tête, quand j'ai vu quelque chose, je l'obtiens toujours. Donc je suis allé le lendemain, tout ça, c'était dur. Hein. J'ai dû me faire contrôler avant de prendre une photo avec lui, tout ça. Mais comment dirais-je, malgré la forte présence policière, des policiers, des mbila comme on dit en lingala, j'ai pu demander à ces gardes du corps de pouvoir me prendre la photo, quoi. Oui. Malgré la difficulté, quoi. Et ça a été moi compliqué, quoi, mais j'ai réussi, quoi. Donc tu es devenu également une star. Est-ce qu'il arrive aussi parfois qu'on puisse te reconnaître en cours de route? Moi, ouais, ça m'arrive souvent de me faire reconnaître, notamment quand par exemple je vais sur Paris, tout ça. Oui. Ça m'arrive que des gens viennent m'aborder, ouais, c'est pas toi qui prends des photos avec des stars, tout ça. Oui. Puis je dis c'est moi, tout ça. Les gens me félicitent par rapport à ce que je fais. Les gens m'encouragent, quoi. Parfois, moi, il y a des gens que je connais pas quand je me promène, qui viennent me serrer la main, et ça va, tout ça. Enfin, je vais pas dire, ouais, t'es qui, tout ça. Mais je sais que c'est des gens qui me connaissent, qui ont vu ce que je faisais, tout ça, qui m'ont vu sur la télé, soit sur tel journal, sur tel média. Et je sais que c'est des gens qui me connaissent quoi, via ce que j'ai fait, via mon blog, mes photos avec des stars, tout cela quoi. Mais là tu prends plus de photos, tu as arrêté complètement. Ouais, j'ai arrêté complètement. Arrêté. Parce que je me lance, je me lance dans les métiers du cinéma, dans la cinématographie précisément. C'est pourquoi tu as arrêté? Ouais, j'ai arrêté, ouais. Tu es devenu une star aussi, puisque tu as arrêté. Ouais, c'est vrai, en même temps, bon. C'est vrai, j'ai atteint un stade que. Mais bon, j'ai préféré, j'ai arrêté mettre un terme à ces photos avec des stars. Parce que j'ai pris une décision très importante, c'est de me lancer dans le milieu du cinéma. D'ailleurs, en janvier 2012, je vais m'installer au Québec, en fait, au Parti francophone du Canada, pour me lancer. Enfin, je me suis inscrit dans une des plus grandes écoles de cinéma en Amérique, là-bas au Canada, pour une formation au métier d'acteur, pour devenir acteur, tout ça. Pour exercer ce métier un peu partout dans tous les pays du monde, que ce soit les États-Unis, dans le cinéma américain, le cinéma français ou le cinéma canadien, quoi. Pourquoi simplement Québec? Pourquoi simplement Canada? Parce que le Québec, en fait, c'est une école très bien réputée. Parce que il y a pas mal de grands noms du cinéma canadien, francophone canadien et français qui sont passés par cette école. Ouais. Et donc c'est pour cela que j'ai préféré passer par cette école. Par cette école, voilà. Ouais. Parce que en France, Belgique, il y a possibilité, bien sûr, je ne dis pas le contraire, mais c'est vraiment très difficile, quoi. Et en passant par cette voie par le Canada, j'ai vraiment possibilité vraiment de réussir et vraiment
je suis très motivé, quoi. Je suis motivé pourquoi pas me lancer, devenir un vrai acteur, quoi, une vraie star du cinéma, voilà. Comme mon idole Will Smith.